Merci Marie, merci pour être là. Merci Elisabeth, merci beaucoup. Et merci à vous aussi, parce que comme ça, on fait cette rencontre et on est très contents. On est très contents, c'est le printemps. Et comme disait Elisabeth tout à l'heure, c'est tellement important de voir aussi les écrivains qui sont là, présents. Et ça donne beaucoup d'énergie à la littérature française et à nous, à la francophonie aussi. Et je tiens aussi à remercier les institutions qui font possible ces rencontres, hein, parce que sinon on ne pourrait pas. Mais c'est l'Institut français en Argentine, la Lire française en Argentine aussi, le FILBA. Alors, le FILBA, et où il y a Amalia Sanz qui était adorable aussi. Je remercie aussi les libraires de Las Mil Una Hojas qui ont beaucoup travaillé pour ces rencontres. Et je présente Elisabeth Debrian, qui est une professeure de français au lycée français de Buenos Aires. Et c'est quelqu'un vraiment adorable et d'une grande subtilité. Donc, quand je suis que tu venais, je pensais Elisabeth, ça va être très bien pour vous. Et en plus, pour moi, elle adore Dario Sec. Et je tiens juste à dire une petite anecdote, comme les choses dans la vie, c'est incroyable. Quand j'ai su que tu allais venir, il y a quelqu'un qui est passé par la librairie et m'a laissé ses livres. Il a dit, ça c'est pour la libraire, j'ai fait un voyage, et c'est, il faut beaucoup aimer les sommes. Et voilà, c'est comme ça qu'a commencé notre relation avec Elisabeth en parlant de ses livres. D'accord. Donc merci beaucoup Marie. Bien, alors Marie, je vais quand même vous présenter pour nos invités. Vous êtes née au Pays Basque, l'enfance passée à Bayonne, après de solides études littéraires, Hippocagne, Cagne, vous avez intégré Normale Sup, la rue d'Ulm, et passé en 1992 l'agrégation de lettres. Alors que vous souteniez une thèse sur les thèmes de l'autofiction et de l'ironie tragique, vous avez en 1988, toute jeune, publiée une nouvelle, La Randonnée, vous avez reçu le prix du jeune écrivain de langue française. C'était longtemps. Ah oui, pour un premier jet. Hein. Ensuite, vous nous avez offert, je dirais, ce roman, Truisme, en 1996, qui a marqué la rentrée littéraire, qui a connu un succès considérable, plus de 300 000 exemplaires vendus. C'est un livre... pas toujours, au niveau du titre, c'est difficile à traduire, hein, mais qui a été traduit dans presque une trentaine de langues et dans laquelle vous parlez donc de métamorphose. Pour un professeur de littérature, les métamorphoses, Apulée, Ovide, vous parlez de cette femme. Alors j'avais envie de vous demander, comment ce livre est-il né? Truisme. Je crois qu'il est né comme tous mes livres, d'une idée en passant. Une idée parmi d'autres qui s'est mise à insister. Et tout est là en fait. C'est que les idées, il y en a plein, j'en ai plein tout le temps, j'en ai trop même. Au sens où j'ai toujours l'impression que la vie sera trop courte pour écrire tous les livres que j'ai en tête. Mais certaines idées insistent. Et cette idée-là, elle me paraissait très embarrassante. Très embarrassante. Une femme qui se transforme en truie. Mais elle demandait à être écrite. Et j'ai adoré l'écrire, hein. C'était pas du tout sacrificiel. Mais il y a quelque chose de... Il ne faut pas du tout que je réfléchisse à pourquoi cette idée-là. Ou à... Il faut que je l'écrive. Et après, je me mets à penser au sens que ça peut avoir après. C'est très instinctif en fait. Mais je suis aussi une grande lectrice et je ne renie pas du tout mes longues études de lettres. Mais je pense que ça a fait une espèce de cerveau particulier où tout ça se combine et produit ces livres-là, quoi. Voilà. Et difficile de trouver ce titre, difficile de vendre Truisme, Truie, la femelle du cochon. Le titre, j'ai toujours les titres en premier, sauf rarement, par exemple pour le tout dernier roman, c'était pas ce titre-là, mais en général, j'ai toujours le titre en premier parce que je me demande qu'est-ce qu'il y a derrière ce titre. En fait, j'ai envie d'écrire le livre pour savoir ce que veut dire le titre, à la limite.
Et c'est une phrase de Julien Green. J'aime pas spécialement Julien Green, mais j'aime bien la phrase qui disait « J'écris mes livres pour savoir ce qu'il y a dedans ». C'est vraiment ça pour moi. Et tous mes livres, c'est comme ça. Et truisme, c'était à la fois ce mot qui est très important pour moi, finalement. C'est-à-dire les clichés, les vérités d'évidence, les phrases toutes faites. Et ce jeu de mots avec la truie, qui a donné des cheveux blancs à mes traducteurs. Parfois, les titres étaient très bien trouvés, parfois c'était plus difficile dans d'autres langues. Mais... Enfin, pour moi, c'était une évidence, et mon éditeur à l'époque, Paul, m'avait dit, j'adore Paul, Paul c'est P-O-L, hein, c'est Paul Ojakowski-Laurence, qui est un très très grand éditeur. À l'époque, c'était encore à sa façon un jeune éditeur, et il n'avait pas encore accumulé tous les succès qu'il a depuis ces 15 dernières années, il en avait quelques-uns, mais par exemple Emmanuel Carrère, mais... Depuis, c'est vraiment devenu un très très grand éditeur. Et à l'époque, il m'avait dit, mais truisme, mais Dariussec, personne ne sait comment l'écrire, personne ne vous connaît, etc. Truisme, c'est un titre pas possible. P-O-L, personne ne connaît. C'est, bon, tant pis, allez, on le fait. Bon, et puis après, c'est devenu une histoire, enfin, c'est presque un conte de fées, quoi. Voilà. Oui, parce que ça a été un livre marqueur dans la littérature française, ça a quand même... Oui, j'imagine, oui, ça, en tout cas, ça a eu un succès qui nous a tous... surpris. Et vous aviez 27 ans. J'avais 27 et vous ans. Vous n'aviez pas terminé votre thèse. Je n'avais pas fini ma thèse. Voilà, c'est ça. Vous rédigiez la thèse. Oui. Oui. À quel moment? Je travaille beaucoup de toute façon. Donc c'était pas un problème en fait. Oui, vous êtes très active. Aujourd'hui, par exemple, je suis très active. Non, mais vraiment, vous avez publié 15 romans, par des livres d'art, des préfaces, etc. Je ne connais rien de votre vie privée, mais j'imagine que vous en avez. Elle est très active aussi. Aussi, alors en réalité, je me suis dit superwoman. Bien, ensuite, vous avez publié, 2 ans plus tard, Naissance des fantômes. Alors, L'homme est absent. Le livre commence par Mon mari a disparu. Oui, je suis contente de... Alors, c'est la 4e fois que je viens à Buenos Aires, j'aime beaucoup cette ville, et j'y suis venue dans différentes circonstances. Mais la 2e fois où je suis venue pour ce livre, Naissance des fantômes. Ça devait être en 99. Et il s'est passé une chose qui m'a beaucoup émue, et que je raconte très souvent à l'étranger. Quand on me demande, mais est-ce que vous savez, en gros... comment vos livres vont être lus, est-ce que vous... Et je ne sais pas comment mes livres vont être lus, je les lance comme ça. Et à Buenos Aires, avec ce livre, donc Naissance des fantômes, d'abord, il faut que je vous dise de quoi ça parle, c'est l'histoire d'une femme dont le mari a disparu. La première phrase, c'est « Mon mari a disparu ». Et je l'avais écrit donc à 28 ans, et pour moi, c'était un roman bon, qui parlait un petit peu de ma famille, mais, et de l'absence de certains hommes, mais aussi qui était un roman très psychologique, presque un roman policier et qui se terminait en roman fantastique sur l'angoisse de l'absence et sur l'amour aussi. Bon. Et je viens à Buenos Aires avec une espèce de candeur quand même, je crois. Je commence à raconter mon roman comme ça devant une assistance un peu comme vous. Et la première question qu'on me pose, et c'était pas du tout agressif, c'était plutôt un peu étonné, on me dit mais... Vous savez que c'est notre histoire. Vous savez que mon mari a disparu. Nous, on connaît cette histoire. Et que vous êtes dans le pays des 30 000 disparus. Tout à coup, j'ai réalisé que j'étais dans ce pays, que c'était cette histoire-là. Et ça m'a énormément émue et embarrassée aussi, parce que je me sentais un peu idiote, quoi, avec ma psychologie. Mais le public l'avait aussi bien reçu, enfin, comme une histoire valide sur l'angoisse de la disparition. Et donc, c'est pour ça que... On ne sait jamais ce qu'on écrit, on ne sait jamais comment ça va être lu, on ne sait jamais... Non, voilà, on ne sait jamais. Et je continue comme ça avec beaucoup de confiance, en fait, à proposer des histoires qui sont lues très différemment, voilà. Oui, c'est bon. Pardon. Il me semble une formule qui me fait rappeler à Les Tranchées de Camus quand il dit « Maman est morte ». Oui, c'est ce que vous disiez. C'est ce que je lui avais dit au tout début. Mais C'est évident que de temps en temps, vos phrases sont incisives, vraiment courtes, etc. De temps en temps, vous les déployez, mais là, quand vous avez quelque chose à dire, de toute façon, vous le dites. Vous êtes même, on va reparler d'autres livres, vous dites les choses telles qu'elles sont, avec une certaine violence.
qu'on va oui, dans peut-être, les mots, la crudité, c'est cru, justement, c'est clair. Pour, c'est... Peut-être pour rebondir sur ce que vous dites, chaque mot est à sa place, selon moi. Chaque mot est important et je vous passe l'énorme travail de relecture, de réécriture que je fais. Je sais à quel endroit est chaque mot. Et pour reprendre cet exemple, « Mon mari a disparu », qui est une phrase très simple. C'est vraiment un début de roman extrêmement simple. La traduction espagnole à l'époque, chez l'éditeur espagnol Anagrama. Anagrama. Voilà. Parce que je parle à Lille, qui est ma traductrice ici, en Argentine. Mm-hmm. Et j'ai oublié qui a traduit ce roman chez Anagrama. Je ne sais pas, mais c'est affreux. Que... affreux. Toute une phrase, c'est une explication. Et donc, mon mari n'était pas là, quelque chose comme ça, en espagnol, c'était comme une trompada en l'estomac. Comment tu traduirais « Mon mari a disparu » ?« Mi marido desapareció ».« Mi marido desapareció ». Eh bien, en espagnol, dans cette édition-là, par ailleurs, c'est aussi un bon éditeur, hein, mais bon, c'était « Nadie sabe dónde está mi marido ». Mais ça change tout. Personne ne sait où est mon mari. Ça veut dire que, et en plus, si vous voyez la lecture argentine, « Nadie sabe dónde está mi marido ». Si, claro que alguien sabe dónde está mi marido. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tout à coup un point de vue. Et c'est pour ça, c'est un exemple entre autres, mais de l'importance absolue de la place des mots, de l'emploi du temps, du sujet. Qui regarde la scène? Mon mari a disparu, c'est je qui regarde la scène. Personne ne sait où est mon mari, où est le je? C'est quelqu'un qui parle comme ça à la troisième personne, on ne sait pas? Bon voilà, c'est un exemple de l'importance des mots. Vous aviez envie de nous lire un passage. Pourquoi pas. C'est vous, en fait, qui m'aviez dit que vous aimiez bien la fin, c'est ça? Sur celui-là, attendez. Oui, c'est ça, vous aviez noté, là. C'est la fin. Non, c'est pas... Non, on laisse. On laisse, on dirait une fois. On en passera à un moins que vous retrouviez tout à l'heure le passage où vous m'aviez dit... Il y avait un passage que vous aviez... C'était sur l'Amérique latine, bien sûr. Bien, alors, vous avez écrit ensuite le mal de mer, précision sur les vagues et bref, séjour chez les vivants. Et vous écrivez, je crois que vous écriviez sur des cahiers. Oui. Je crois que vous écrivez depuis toute gamine. Oui. D'ailleurs, votre parcours littéraire semble l'indiquer. Vous avez, je crois, dit « J'écris pour vivre les vies que je ne peux pas vivre ». Oui, c'est vrai. Alors, le bref séjour chez les vivants, moi j'ai trouvé, particulièrement apprécié la fraîcheur de la première phrase, mais je vais vous laisser nous en parler un petit peu. Ce livre-là, qui doit être donc mon quatrième livre, c'est sans doute mon livre formellement le plus ambitieux, peut-être le plus compliqué aussi. Parce que j'écris toujours le livre que je ne sais pas écrire, sinon je m'ennuie. Donc je cherche dans plusieurs directions, et celui-là c'était un peu une impasse. C'est une direction que je n'ai plus explorée après. Mais en même temps, c'est un livre que j'aime beaucoup, mais qui est compliqué. Donc il y a plusieurs personnes qui parlent, c'est un cœur, ce sont trois sœurs et leur mère. Et comme dans la plupart de mes livres, il y a un centre absent qui est le petit frère qui a disparu, qui est mort noyé en fait. Et toutes ces femmes parlent comme ça autour de cette disparition. Et il se trouve qu'il y en a une qui habite à Buenos Aires, parce que c'est une ville qui m'est très chère. Je suis basque, donc j'avais de la famille qui a émigré ici il y a longtemps, c'est toute une histoire. Et donc j'avais un peu imaginé dans ces autres vies, qui ne sont pas les miennes, mais que j'imagine vivre, une maison de rêve au bord du Rio, avec une géographie que j'avais un petit peu rebricolée. Alors ça donne une terrasse, un vaste appartement clair, une capitale, la mer pas loin. Une maison de campagne à moins d'une heure et demie de voiture, embouteillage compris. S'étirer au soleil. La merveille d'avoir un corps. Le soleil, le sommeil qui peu à peu s'écoule. Rêve, je saute un peu. Hein? Il lui tarde d'être à ce soir, d'être au Tigre. Quand elle était petite, elle n'imaginait pas ça comme ça, la maison de campagne. Ces oiseaux inouïs de cette campagne sans prés, sans vaches, sans haies, sans lièvres, à peine esquissés, à peine permise par l'eau verte, émergée à peine entre les canaux pleins d'anguilles et de poules. Il fait déjà très chaud sur la terrasse. La ville fume au soleil.
Cette papaye est bonne, comme on sait comment les choisir, très fraîche. Elles n'ont pas ce goût de vomi des papayes transbahutées qu'on trouve en France. La brume de chaleur monte sur la boca. Le vacarme du trafic est en train de dissoudre les bruits de la nuit. Tout est réel, matinal, lumineux et mobile. Voilà, il y a plusieurs pages comme ça sur Buenos Aires, un peu ouais, revisité. Enfin, vous avez écrit aussi le bébé. Oui. En français, on ne dit pas la bébé. Le bébé, oui. Ouais. Oui. Et White, en 2003. Et puis, en 2005, Retour aux sources de Marie Rivière, votre héroïne, dans le pays. Ouais. Oui, un très beau livre. Ça, c'est sur le Pays Basque. C'est le Pays Basque, une région qui vous ressemble? Je ne sais pas si elle me ressemble. Peut-être que je lui ressemble, je ne sais pas. Mais ouais. Bah, c'est là où je suis née, donc... Quand j'étais petite, c'était le centre du monde, bien sûr. Je ne comprenais pas qu'on puisse vivre ailleurs, en fait. Parce que ça me paraissait parfait, là où j'habitais. Parce que donc, j'habitais entre Bayonne et Biarritz, dans un petit village. Et donc, à l'ouest, il y avait l'Atlantique. À l'est, il y avait toute la profondeur du continent, jusqu'à Vladivostok, la Chine, tout ça. Au sud, il y avait l'Espagne, le Sahara, l'Afrique. Et au nord, il y avait la forêt des Landes, qui me paraissait très grande. Paris, et puis tout, je sais pas, j'avais l'impression d'être au centre d'une croix parfaite. Alors qu'en fait, tout le monde peut avoir cette impression absolument partout, évidemment. Mais il me semblait que c'était équidistant de toutes les choses formidables de la Terre. Puis à partir de 14-15 ans, je n'ai plus envie que de partir. Je suis partie de ce tout petit pays, que j'aime beaucoup, mais qui est vraiment tout petit. Voilà. Avec une langue, avec une culture très particulière. Et là, vous écrivez sur un couple marié qui vit une vie normale. Les gens heureux n'ont pas d'histoire. Exactement. Mais quand même, on attend un bébé. Mm-hmm. Et... Vous voulez que j'ouvre, que je lise? Ah, j'ai choisi ce passage parce que c'est un très très beau passage. Et c'est un passage qui m'a posé des problèmes d'écriture. Peut-être que je pourrais vous en parler. Donc, le mari est espagnol, il s'appelle Diego. Et le bébé vient de naître. Ils viennent de la ramener à la maison. Et elle se réveille de son premier sommeil à la maison. Nous ouvrîmes la porte du fond, Diego et moi, et la lueur rose-orange dansa. Le tour de lit la masquait dans l'angle. Nous nous décalâmes et nous la vîmes. Elle nous apparaissait d'un coup, petite, entière, poings fermés de chaque côté de la tête, jambes en grenouille, et son petit torse se soulevait sous le pyjama. Elle dormait. La lumière tombait sur le haut de sa tête. Elle était déposée là, tranquillement. Sous le front bombé se croisaient des veines qui dessinaient des signes, des formes, des lettres. Elle plissait les yeux dans son sommeil puis se détendait. Un rêve passé, un souvenir. De la main, il nous était facile de l'attraper et de souffler dessus. Le rêve s'éparpillait vers d'autres chambres. Il y avait quelqu'un dans ce très petit corps. Quelqu'un était venu, si plié et replié encore que nous pouvions la tenir dans nos deux mains, mais qui se déploierait lentement hors de nous. C'est un passage qui m'a posé des problèmes de langue française parce que c'est vraiment l'histoire. Il y a plusieurs histoires dans le livre, mais le fil narratif, très simple, c'est une femme qui est enceinte d'une petite fille. Et donc c'est un utérus enceinte d'un utérus, hein, des utérus gigognes comme ça. Et c'est pas un livre spécialement féministe, mais c'est un livre qui dit des choses sans doute du féminin dans ce monde, je sais pas. Et donc quand j'écrivais là, je me disais, mais quand même c'est dommage que je puisse pas dire quelqu'une est venue. Il faut que je dise quelqu'un pour ce bébé, un bébé comme tu disais, on peut pas dire la bébé en français. Et je me disais, bon allez, je vais dire quelqu'un, puisque si je dis quelqu'une, ça va violenter la langue française, ou bien ça va être une référence à Monique Wittig, que j'aime beaucoup, qui elle était une féministe radicale, qui vraiment tordait la langue, et qui disait quelqu'une, mais c'est bizarre quoi. Donc j'ai écrit « Il y avait quelqu'un dans ce très petit corps, quelqu'un était venu, eu, masculin. » Et ensuite j'ai dit « Si plié et replié encore, et eux. » Parce que c'était pas possible de tout mettre au masculin. Et le correcteur chez POL rectifiait sans cesse. Il me disait « Mais non, c'est plié et. » Je disais « Non, s'il te plaît, juste là, un petit e. » Il est muet en plus, on va pas l'entendre. C'est pas comme si je disais « si couverte ». On l'entend pas, c'est plié, on l'entend pas. Mais un petit e. Bon, alors c'est ce genre de discussion. Ou quand même être une femme dans la langue française, ça implique de se couler dans une langue très masculine, qui permet assez peu une écriture au féminin en fait. Bon, mais c'est une vaste question. Pourquoi vous n'avez pas choisi une personne? Pardon? Une personne qui est aussi bien féminin que masculin. Parce que là,
Parce qu'en fait, il y a une question de rythme. Et une personne, c'est pas quelqu'un. Il me fallait deux syllabes. Il y a une question de tempo. Ça rompt. Voilà. Et puis, je trouve qu'on pourrait dire Falcune. Ce serait pas compliqué. Mais Falgoune. Moi, je me pose la question, pourquoi vous sentez exclus les femmes quand on dit le bébé, quand moi chante. Moi, je suis pédiatre, dans d'autres choses. Et quand on me dit le bébé, moi, je pense à au masculin, au féminin en même temps. C'est pas quelqu'un qui est masculin. Oui, mais c'est le. Et qu'on le veuille ou non, le n'est pas neutre. Ou c'est alors. La guerre des femmes, c'est contre le. Moi, je suis pas dans une guerre, pas du tout. J'aime beaucoup les hommes, mais j'aime beaucoup les hommes qui aiment les femmes aussi, donc il faut qu'on se mette d'accord. Mais bon. Mais non, mais. Imaginez un monde où, à la place de se supposer le neutre, on dise la. Et dans le nom, la. Oui, enfin, la pour tout, j'arrive même pas à le penser. La coachée. Oui, mais il y a beaucoup plus de mots soi-disant neutres qui sont en fait du masculin que du féminin. Par exemple, il faudrait tout accorder. Autrefois, en langue française, excusez-moi, ça devient technique, mais avant l'apparition de l'Académie française au XVIIe siècle, il y avait l'accord de proximité. On disait le cœur et la bouche sont ouvertes. Parce que la bouche était proche du verbe. Le cœur et la bouche sont ouvertes. Ou alors la bouche et le cœur sont ouverts. Mais après l'Académie française, tout a été rectifié et la règle dit le masculin l'emporte sur le féminin. L'emporte. Ça, c'est on l'emporte sur le féminin. C'est extrêmement violent. Maintenant, on ne dit plus ça. Et donc, on dit aujourd'hui toujours la bouche et le cœur sont ouverts, le cœur et la bouche sont ouverts. C'est toujours accordé au masculin. Si vous prenez 1 million de femmes et le garçon, ils sont contents. Ils ne sont pas contentes. Mais si vous dites 1 million de femmes et le chien, ils sont contents aussi. C'est un truc de fou. Moi, en tant que petite fille, j'ai été élevée dans la langue basque. Okay, la langue basque, elle est sans genre. On peut parler de quelqu'un pendant un quart d'heure sans savoir si c'est un homme ou une femme. Par exemple, on peut dire Nirelaguna, mon ami, et on ne peut pas savoir si la personne est amoureuse de cette amie, si dans ce cas elle est hétérosexuelle ou homosexuelle, si c'est un... On ne peut pas savoir. Donc il faut écouter et laisser tomber tous les a priori. En français, on sait tout de suite. Et la langue française est incroyablement marquée en genre, et ce genre, c'est toujours le masculin qui l'emporte. Ça me pose problème. Comme petite fille, qui était éduquée d'abord en basque, quand j'allais à l'école en français, enfin à l'école quoi, je me disais, ah bon, c'est toujours le masculin qui l'emporte. On avait beau me dire que c'était de la grammaire, moi je trouvais que ça rapportait aussi réellement à la sociologie, à la politique, au sexe, que c'était pas du neutre. Bon. C'est un autre très masculin. Mais ce sont... Je n'en fais pas une guerre. Je constate que c'est une langue qui, en tant que femme, m'accueille très peu. En anglais, par exemple, je suis beaucoup plus accueillie comme femme. Après, j'arrête, mais... J'ai une amie... En espagnol, c'est très proche du français, pour ça. Ça... Mais j'ai une amie américaine bilingue en français qui me dit « Quand je parle en français, je ne peux jamais oublier que je suis une femme. » Alors que quand je parle en anglais... Plus personne ne me demande si je suis une femme, une autre. Je peux m'exprimer comme un être humain. Alors qu'en français, je suis obligée de me rappeler que je suis surprise d'eux et que c'est une sorte d'accident sur l'universel mâle. Voilà. Et qu'il faut que je marque cette espèce d'accident que je suis d'être une femme. C'est pas tout à fait normal d'être une femme, en fait. C'est quelque chose de particulier pour ces langues-là. Bon. J'ai fait des conférences entières là-dessus, alors je vais me taire. et je vais vous dire, on ne dit plus le masculin l'emporte sur le féminin, parce que c'était vraiment très choquant, mais on dit, lorsqu'il y a deux noms, on met... L'accord se fait au masculin pluriel. L'accord se fait au masculin pluriel, ouais. Ah oui. Voilà, c'est la même chose, mais oui, il n'y a plus l'accord. L'emporte oui, qui était de notre jeunesse. Au masculin pluriel, c'est vrai. Ah oui, hein, l'emporte, c'est plus politiquement correct. Mais Bachary, par exemple, dans la nuit des temps, Les femmes avaient une langue et les hommes en avaient une autre. Oui, pourquoi pas. Je me rappelle aussi. Et ils comprenaient tous les deux. Oui, c'est beau comme idée. Alors, pour en revenir à l'absence et à vos livres, vous avez écrit « Tom est mort » en 2007. Comment exorciser la mort d'un enfant ? C'est un livre douloureux. C'est un enfant qui avait 4 ans et demi. Sa mère, une Française, en exil, parce que l'expatriée, elle était en Australie. Et vous évoquez tout au long du livre la douleur, cette mère habitée par le chagrin. Et
Donc, il y a plusieurs questions. D'abord, c'est ça revient à ce que vous dites. Est-ce qu'au XXIe siècle, le fait que ça soit un petit garçon, je pense pas. Non, valorisé, pas. Parce qu'il a un grand frère et une soeur. Non. Là, il n'y a pas d'histoire de... C'est plutôt... Non. J'ai choisi le fait que c'était un garçon pour d'autres raisons. Alors, je n'ai pas perdu d'enfants, mais mes parents ont perdu leur fils. Et ils étaient absolument incapables d'en parler. Et je pense que je suis aussi écrivain parce qu'il y a d'énormes silences dans ma famille, comme dans toutes les familles. Hein. Ça, c'est... Les familles, c'est le secret et le silence. C'est pas autre chose. Mais bon. Donc, quand il y a un écrivain dans une famille, il se débrouille peut-être pour dire tous ces fantômes-là. Mais c'est de la fiction, c'est-à-dire j'avais besoin de décaler, de passer par un autre pays en particulier, qui est l'Australie, pour arriver à raconter cette histoire. Bon. Et bon, j'ai écouté beaucoup d'opéra à l'époque, et c'est une aria, c'est vraiment un chant ce livre. C'est une femme qui se souvient et qui essaie de dire, voilà. C'est un livre terrible. Oui, beau, parce que vraiment vous évoquez la souffrance, cette femme qui va vraiment évoquer, elle est bouleversée, elle écrit en plus 10 ans après la mort de son enfant. Oui, parce que c'était pas possible. C'est-à-dire que ça l'a habité pendant tant de temps. Et là aussi, on pourrait presque dire, on commençait, Tom est mort, j'écris cette phrase. Oui. C'est tout, vous voyez, c'est... lapidaire presque, voilà. Et mes premières phrases, tant que je n'ai pas la première phrase, je peux pas commencer le livre. Bon, c'est un truisme, c'est une évidence, mais je pense que tous les écrivains sont pas forcément comme ça. Je pense qu'il y a, par exemple, je connais des écrivains qui commencent par le milieu des livres et puis qui reviennent en arrière après. Moi, je peux pas commencer sans avoir vraiment la première phrase. Après, je vais moi aussi monter, couper, mais la première phrase est importante parce qu'elle contient tout le livre qui va se dérouler après. Et pour prendre une métaphore très triviale, c'est vraiment comme si en fait j'avais le moteur de la voiture, mais j'avais pas la clé. Voilà. Donc je sais comment est le moteur, je vois tout ce qu'il contient, je vois ces circuits compliqués, mais je sais pas le faire démarrer, hein, c'est tout bête. Et la clé, c'est à la fois la dernière information et la première. Enfin, ça boucle, tous mes livres bouclent de toute façon. Et voilà, elle contient en particulier cette chose qui a l'air si simple mais qui est fondamentale, c'est est-ce que ça va être à la première personne, à la troisième personne ou éventuellement à la seconde personne. Il y a de très beaux livres, tu. J'ai jamais fait ça, mais tu, c'est magnifique. Mais là, par exemple, le roman que j'ai en tête, je n'ai toujours pas décidé. Alors qu'il est là, il est dans ma tête. Je sais très bien l'histoire que ça raconte, je sais quels sont les personnages, je sais quels sont les pays traversés, je sais ce que ça va dire. Ça va parler des migrants, en fait, ce sujet très contemporain. Mais voilà, on est des centaines, des milliers d'écrivains à parler des migrants aujourd'hui. Je sais ce que j'ai à en dire, à en écrire. Mais tant que je ne sais pas si c'est « je » qui parle ou si c'est « elle », je n'ai pas le livre, j'ai toujours pas le livre. Donc en ce moment, je bataille beaucoup. Voilà. Et vous faites des plans, vous organisez cela d'une façon, vous écrivez comment ? Alors non, c'est plutôt vraiment cette histoire de moteur, c'est-à-dire j'ai l'impression d'avoir un espèce de grand cube dans la tête, tridimensionnel, avec des tas de passages, mais il n'est pas encore déployé. En fait, j'ai le plan quand le livre est fini. Quand le livre est fini, je me dis, ah tiens, finalement, il était en 3 parties, celui-là. Bon. Et souvent, d'ailleurs, je nomme les parties après coup. Par exemple, dans l'avant-dernier roman, je les ai pas trouvées au début, en fait. Ça s'est fait petit à petit. Donc je ne fais pas de plan à l'avance, mais quand même, le livre, il est dans votre tête. Oui, il est dans ma tête. Vous l'écrivez d'abord. Et je parle. Pour moi, il y a deux clubs d'écrivains. Il y a le club dont le saint patron est Stendhal. Et il y a le club dont le saint patron est Georges Perec. Et moi, mon club, c'est Stendhal. Pourquoi ? Parce que Stendhal, donc c'est un écrivain fabuleux. Mais il faisait jamais de plans. Perec faisait toujours des plans. Stendhal, il faisait jamais de plans. Il avançait comme ça, il avançait, et la chartreuse, justement, sublime, après ça galope, ça fait 500 pages, etc. Mais à la fin, les 3 ou 4 dernières pages, il ne sait pas trop finir, alors il tue tout le monde. Il y en a une qui meurt de chagrin, l'autre de maladie, l'autre qui est assassinée, je crois même qu'il y a un accident de carrosse, je ne sais plus très bien, mais tout le monde meurt. C'est invraisemblable, c'est pas grave, mais il ne savait pas finir, quoi. Au contraire, Georges Perec, il avait ce qu'il appelait des cahiers des charges,
qui était parfois aussi gros que le livre lui-même, où il faisait des croquis, chaque avec des cases, et en fait chaque phrase était prévue à l'avance. Mais ça avait aussi pour lui parfois un côté très décourageant, c'est-à-dire qu'une fois que le cahier des charges était fait, il lui restait encore à écrire le livre. Et parfois ces cahiers des charges sont aussi beaux que les livres, enfin on en a, maintenant on en a publié certains. Et il avait beaucoup d'admiration, Georges Perec, pour Stendhal, justement, parce qu'on admire toujours ce qu'on ne sait pas faire, pour cette vitesse. Et Perec a écrit un livre en hommage à Stendhal, un livre qui s'appelle 53 jours. Parce que Stendhal a écrit la Chartreuse de Parme en 53 jours. C'est vrai que c'est épatant, quoi. Mais bon, il ne savait pas finir. Donc voilà, il y a deux clubs, et l'un et l'autre, c'est ni bien ni mal. Enfin voilà, mais moi, il se trouve que je ne fais pas de plan, et que j'avance, et que parfois je me casse la figure. Par exemple, dans White, c'est ce qui se passe au pôle sud. J'avais écrit 80 pages, même, et j'étais arrivée dans une impasse narrative. C'est très énervant, parce que les histoires, c'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est, je sais pas, c'est tout le reste à la limite. C'est tout ce que porte l'histoire. Et là, pour une stupide histoire de cohérence narrative, j'étais bloquée, quoi. Je pouvais. Alors, j'ai tout recommencé. C'est terrible, ça, mais bon. Voilà, la Chartreuse écrit en 53 jours et Truisme en 6 semaines. Oui, c'est vrai. Vous aussi, vous galopez quand même. Si je galope pas, c'est que c'est pas bon. Parce que Truisme. Ça a été beaucoup effectivement cité. Le fait, effectivement, c'est vrai, je l'ai écrit en 6 semaines. Alors ça épate beaucoup de gens, mais en fait, j'y ai pensé au moins 6 mois avant. Le livre a tourné dans ma tête, s'est bâti dans ma tête pendant à peu près 6 mois, au moins 6 mois, puisque je me rappelle très bien, c'était une époque très particulière et de ma vie et du pays à l'époque, parce que c'était les grèves, les grandes grèves en France à la fin de 1995. Et je sais que j'étais très en phase avec l'émotion qu'il y avait dans les rues. Et donc j'ai pensé à ce livre, et quand j'ai eu la première phrase, toujours pareil, 6 semaines, oui, mais voilà, 6 semaines avec un travail extrêmement préparé dans ma tête. Ouais. Et, ouais. Il faut que ça aille vite quand le livre est là, sinon ça s'effiloche. Ouais, c'est une très jolie définition. J'aimerais bien qu'on nous apporte Clef pour vous montrer la couverture de Clef, parce qu'elle est étonnante, comme le livre d'ailleurs. Voilà. Qui la traduction en espagnol. Ici. Voilà. C'est bon. Ah, regardez la différence. Alors, c'est pas moi qui choisis les couvertures, même si celle-là me vend. Parce que moi, tous mes livres, c'est ça en fait pour moi. Tous mes livres tels que je les ai publiés, ils sont blancs. Pardon. Chez PEL. Il n'y a pas d'image. Et j'aime beaucoup qu'il n'y ait pas d'image, parce que ça permet au lecteur ou à la lectrice de projeter ce qu'il veut. Oui. Donc ça, tout ça, c'est pas moi qui les ai choisis, mais bon, ça me va. Celle-là, je la trouve atroce. Ouais. Le petit garçon sur fond de soleil couchant, pitié, quoi. Je me suis battue contre cette image, mais j'ai pas réussi à convaincre le service commercial de Folio, qui pensait que c'était vendeur ou je sais pas quel connard. Ça, c'est bien. Ça, c'est moi qui l'avais choisi. Alors, évidemment, ça claque moins, il faut la regarder de près. Mais c'est une très belle photo de Francesca Woodman. Bon, vous le verrez de plus près. Et ça, oui, c'était un détail de Botticelli, très beau. Ça j'ai choisi. Mais les autres, non. Celle-là, ça va. J'aime bien le mélange de. Naïf. Ouais, j'ai appris aujourd'hui par Edgardo Russo, l'éditeur. Que c'est un dessin de Enzor, et c'est très bien choisi. Bon, ça va. Bon, alors Clef, c'est l'éveil à la sexualité. Mm-hmm. Attention, l'amour et le sexe n'est pas la même chose. Non. C'est une jeune fille, Clef, bon, ça fait un clin d'œil. Oui, bien sûr. Immédiatement l'analogie avec la princesse de Clef, qui n'a pas lu le livre de Madame de Lafayette. Et c'est encore, vous revenez sur quelque chose qui est quand même... les motifs qu'on retrouve beaucoup dans vos livres, c'est la métamorphose. Mm-hmm. Parce que bon, c'est une jeune fille de 13 ans, de 9 à 13 c'est ans. C'est entre 9 et 14 9 ans. 9 et 14 ans, ouais. À peu près. Donc c'est l'éveil au corps, mm-hmm. à tout ce qui se passe. C'est aussi en même temps le nom d'un petit village. Oui. Hein, ça fait bien français, franco-français. Ouais. C'est assez amusant parce que alors là, oui, vous dites trois parties. Les avoir, le faire et le refaire. Les avoir, le faire et le refaire. Et ça m'a beaucoup amusée. Hein. Bon, parce que
si vous voulez, vous parler de choses qu'on n'aurait jamais dites à mon époque. Vous voyez la différence de la nouvelle génération. Et en même temps, de choses que... Je ne dis pas que c'est un de vos livres le plus autobiographique, mais j'imagine que vous avez voilà, mis beaucoup de vous, parce qu'on le sent, c'est tellement vrai. mais c'est aussi féminin, je veux dire. C'est des choses que nous avons ressenties, nous femmes. Il y a beaucoup de choses qui sont universelles. Et ça intéresse beaucoup les hommes aussi, parce que c'est tout ce qu'on leur cache sur le thème. Non, mais c'est les avoir. Les avoir, c'est les règles. C'est quand même toute une affaire pour une petite fille d'avoir ses règles. Et c'est marrant parce que c'est toute une affaire. Et en même temps, c'est extraordinairement banal. La moitié de l'humanité a connu ça. Donc, ça m'intéresse toujours beaucoup, ces expériences humaines qui sont à la fois hyper intimes et personnelles et totalement banales, totalement partagées. Et sur lesquels, finalement, bizarrement, on manque de mots. Puisque c'est tellement partagé, ça devrait être très codifié. Et en fait, cette expérience, avoir ses règles, est au contraire complètement prise dans des bêtises, en fait, dans des phrases idiotes, du genre ma grand-mère qui disait, et je pense qu'on a tout entendu ça, il ne faut pas se baigner quand on a ses règles. Et tu dis que ta génération ne parlait pas de ces choses-là. C'est pas tout à fait vrai, parce que Simone de Beauvoir, dans Le Deuxième Sexe, il y a plusieurs chapitres consacrés aux règles. Mais à l'époque, dans les 1949, familles. Elle a écrit, hein, beaucoup de gens se sont soit moqués d'elle, soit on dit que c'était indigne d'elle, etc. Ça a été très mal perçu, alors que c'est un livre vraiment, évidemment, fondamental. Donc c'est très étrange, cette affaire de règles. C'est toujours quelque chose qui ne passe pas, qui résiste au langage, voilà, au langage. Vous voyez, c'est très embarrassant. Pourquoi est-ce que c'est embarrassant? C'est embarrassant, et c'est, mais je disais, c'est générationnel, parce que... Non, ça continue. Bon, ça continue, voilà. Un peu, parce que je parlais avec des jeunes, bon, un peu d'intimité. Quand on était, lorsque j'étais jeune, on pouvait faire l'amour avec ses règles. Au contraire, c'était bien, parce que normalement, on ne pouvait pas avoir de bébé, on ne pouvait pas en ça. Et de nos jours, je parle avec des adolescentes qui me disent « Ah non, ça, on préfère faire une pipe que faire l'amour, parce que c'est sale. » Alors, il y a une évolution, alors que de nos jours, les serviettes hygiéniques sont à la télévision, il y a la publicité, etc. Oui, mais alors toujours avec du liquide bleu. Vous avez remarqué ça? Ah, bah, surtout pas montrer ni le caca des bébés, ni le son des femmes. Ça, c'est vraiment dégoûtant. Donc, non, il y a vraiment un tabou extrêmement résistant là-dessus. Ouais. Non, et ça m'intéresse. Et donc, je suis comme tout le monde, c'est-à-dire, je suis toujours un peu embêtée d'en parler en public. Il y a quelque chose qui résiste, là. Alors que l'écrire, ça m'intéresse beaucoup. Parce que c'est une affaire, voilà, on est seul chez soi et on lit un livre et on se dit, oh mon Dieu, mais je me rappelle la première serviette hygiénique que j'ai portée. Toutes les femmes se rappellent de ça. Personne n'en parle. Et ça m'intéresse de l'écrire. Parce que quel mot on met sur cette expérience tellement partagée? Et justement, j'allais vous poser comme question. Est-ce que les femmes se sont reconnues? Est-ce qu'elles vous ont écrit? Est-ce que vraiment, au niveau des avoir, après le faire? Alors le faire. Parce que le faire, bon, la première fois, évidemment, ça aussi, c'est incroyablement recouvert de clichés. Oui. Est-ce qu'on saigne? Est-ce qu'on saigne pas? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça fait pas mal? Est-ce qu'on peut tomber enceinte ou pas la première fois? Évidemment que oui, mais bon. Et puis le refaire, parce qu'en fait, justement, cette première fois est un tel barrage de stéréotypes que ce qui est intéressant, c'est le refaire. C'est entrer dans la deuxième, la troisième, la quatrième et toutes les autres fois, c'est-à-dire avoir sa propre histoire sexuelle. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué et en fait beaucoup plus... Je pense que le faire, toute cette époque dont je parle, qui sont les années 80, on le faisait pourquoi, garçons et filles? Pour dire qu'on l'avait fait. Oui, c'est-à-dire que ça ne passait que par le langage. À quoi bon le faire si on ne le disait à personne? Il fallait absolument que toute l'école le sache. Les garçons, vrai, encore plus que les filles. Mais cette histoire des années 80, je trouve qu'on ne pense pas assez à cette époque-là, parce que après des siècles, où le mot d'ordre, c'était arriver vierge au mariage pour les filles. Officiellement, en tout cas, bien sûr, officiellement. Tout à coup, dans les années 80, quand on était vierge, mais même à 18 ans, on était une oie blanche, comme on dit. C'était ridicule, c'était voilà. Et les garçons, encore pire. Être puceau, c'était la honte. Bon. Mais ça a toujours plus ou moins existé. Mais les filles, c'était une époque très particulière. Après des siècles, donc, de tabou de la virginité, le tabou s'est inversé pratiquement.
dans mon village, qui était vraiment un petit village tout catholique, il fallait le faire. Voilà, il fallait perdre sa virginité. Et après, il y a eu le sida qui a changé les choses encore. Donc, il y a une fenêtre vraiment de 15 ans qui, historiquement, est très particulière sur la sexualité des filles et donc des garçons. Et nos parents nous regardaient complètement ahuris parce qu'eux, ils avaient fait moins de mai 68. Ils avaient participé à ces choses formidables que sont la contraception, le droit à l'avortement, ce qui fait que les femmes ont pu avoir une sexualité libre. Et en même temps, le comportement des filles était un peu erratique. On ne savait pas quoi faire, en fait, avec notre liberté. Et donc on a essayé d'inventer des choses. Je ne sais pas, je parle de choses qui éveillent un écho. Oui, mais c'est vrai, il fallait coucher. Oui, absolument. C'était l'amour était très secondaire. C'est bien dissocié. Ouais. Et en même temps, c'était aussi la découverte du corps. Féminin. Tout ça, de toute façon. Mais on était mal outillés parce qu'on avait cette soi-disant liberté sexuelle, mais on n'avait pas d'informations. Moi, je me rappelle que les informations que j'avais étaient de 4 ordres. Les blagues cochonnes de mon père, avec ses copains quand ils avaient bu un coup et qu'ils étaient bien macho entre eux. Alors, des blagues incompréhensibles, mais dont j'essayais de comprendre quelque chose. Les magazines féminins de ma mère, Marie-Claire, comment ça s'appelait ? Biba, oui. Et puis il y en avait un Cosmopolitain. Alors là, dossier 30 pages. Comment vaincre la frigidité ? Alors, il fallait absolument jouir tout de suite. Et donc, moi j'avais 12 ans quand je lisais ça. Et puis, ensuite il y avait les dictionnaires, très important. Ah oui. Connaître les vrais mots. Savoir qu'on ne dit pas bite, on dit pénis. Voilà, le vrai mot c'est pénis. Pénis, P-E-N-I-S, jamais entendu ce mot-là. Tout le monde disait bite autour de moi. Et les hommes tenaient le discours. Et c'était eux qui disaient ces mots-là. Et la quatrième source d'information, c'était les copines. Et les copines, elles étaient comme moi, elles ne savaient rien. Et donc on se racontait des choses absurdes. Donc on ne savait rien. Pardon ? L'information aujourd'hui même est insuffisante. Oui, je trouve aussi, oui. Bah, pour écrire ce livre, je suis allée voir des forums d'adolescentes, comme une vieille pédophile. Donc je lisais des forums d'adolescentes. Je me disais, mais rien n'a changé, c'est fou. Rien n'a changé. Elles disent toujours les mêmes bêtises sur la première fois, sur les règles, C'est fou, non ? Moi, j'ai découvert des choses, pas mal de choses quand je suis entré en médecine. Ouais. Moi, j'ai fait l'école primaire et le lycée et personne n'en parlait. Mmh. Et pire encore, parce que l'information descendait de ce qu'il y avait des frères aînés, les frères aînés transmettaient quelque chose et il y avait toute une famille qui était 4 garçons et alors c'était que sa mère avait un problème dans ce. Le gauche, et alors là c'était les femmes, les filles étaient là, et alors c'était tous les. Et moi je croyais, j'étais en médecine, qu'il y avait l'un pour les hommes, l'autre pour les femmes. Oui, alors je ne voudrais quand même pas terminer sans évoquer, il faut beaucoup aimer les hommes. Alors en exergue, vous pouvez nous lire bien sûr cette magnifique phrase de Marguerite Duras. Vous avez mis aussi un extrait d'une chanson de Joséphine Baker. Oui. Le titre vient d'une phrase de Marguerite Duras, elle dit ceci, c'est dans La vie matérielle. Il faut beaucoup aimer les hommes, beaucoup, beaucoup, beaucoup les aimer pour les aimer. Sans cela, ce n'est pas possible, on ne peut pas les supporter. J'aime beaucoup cette phrase. Alors c'est vrai pour les femmes aussi, hein. Il faut beaucoup aimer les femmes, beaucoup, beaucoup, sans cela, ce n'est pas possible, on ne peut pas les supporter. Mais quand même, avec les hommes, ça marche bien. Vous avez de belles initiales d'ailleurs, Marguerite Duras, Marie d'Arlesec. On l'a dit souvent. Oui. Alors, vous aimez renverser les tabous et jouer sur les stéréotypes. Remarquez, ça m'amuse parce qu'ici aussi on est la française. Là, c'est Solange que l'on retrouve, elle a une trentaine d'années. Vous évoquez le milieu du cinéma, le microcosme hollywoodien. D'ailleurs, pour ce livre, vous avez voyagé, vous aimez voyager. J'aime beaucoup voyager. Vous êtes allé à Los Angeles, oui. Vous êtes allé en Afrique, parce que vous. Donc, briser, je dirais, vous posez des questions que l'on ne pose pas, là encore. Parce que comme on ne parle pas des règles, on ne dit pas qu'est-ce que c'est qu'un noir. Et pourquoi un homme, qu'est-ce que c'est qu'être noir ? En même temps, c'est un livre qui est une caresse pour
tous ceux qui aiment la langue et la tradition française, parce que c'est un livre qui parle de la passion. Le mot de tabou me gêne un peu parce que c'est vraiment un très grand mot. C'est plutôt les clichés que j'essaie de retourner. C'est un mot moins dramatique peut-être, les clichés, que les tabous. Les tabous, à force, on ne sait plus très bien ce que c'est. Mais c'est plutôt ces endroits, à nouveau, de l'expérience humaine qui sont recouverts de phrases qui glissent, qui ne disent pas vraiment ce qui se passe. Donc c'est l'histoire d'une femme blanche qui tombe amoureuse d'un homme noir. Bon. C'est banal et en même temps c'est très compliqué dans notre monde aujourd'hui. Et ça commence dès l'expression qui n'est pas raciste ni rien, mais couple mixte. Couple mixte. Moi déjà, ça, je me dis pourquoi on dit ça. Chez moi, au Pays Basque, le mixte, c'est le fromage brebis-vache. C'est ça le mixte. Mais un couple mixte, tous les couples sont mixtes. Tous les couples sont faits de deux entités. Homme-femme, homme-homme, femme-femme. Pourquoi est-ce qu'on va dire d'un noir et une blanche ou d'une blanche ou d'un... Bref. Que c'est eux le couple mixte. Pourquoi ils sont plus mixtes que les autres? Déjà, et à nouveau, c'est pas un livre sur le racisme. C'est plutôt un livre sur ces zones où les mots disent pas ce qui me semble être moi plus simple ou moins compliqué peut-être. Voilà. Donc c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de passion et d'attente encore. Et d'attente, elle l'attend évidemment. Je crois que c'est l'histoire d'une femme aussi qui apprend qu'elle est blanche, parce qu'elle n'y avait jamais pensé avant. Et elle l'apprend au contact d'un homme qui n'est pas exactement beige clair, voilà, comme moi, parce qu'on n'est pas blanche, on est beige clair. Et tout à coup, il lui faut quelques pigments de plus pour se dire, ah mais tiens, toute la planète n'est pas blanche. C'est pas ça, ce qu'on m'a fait passer pour l'universel, c'est pas ça. Et c'est une femme qui n'est pas du tout une intellectuelle, qui n'est pas... Donc elle va se poser des questions assez frontalement, c'est ça moi qui me plaît avec mes personnages. Elle se pose des questions, voilà, c'est quoi un noir? Et Jean Genet dit ça, et il dit dans Les Nègres, qui est une pièce, je ne sais même pas si on peut la jouer aujourd'hui avec un titre pareil, Les Nègres, et il dit c'est quoi un noir et d'abord c'est de quelle couleur? Ça c'est une phrase prodigieusement intelligente. Quoi, un noir et d'abord c'est de quelle couleur? Voilà, étudions les choses. Allez, on dit noir, alors pourquoi? C'est quoi? C'est de quelle couleur? Ça me plaît, cette approche très frontale comme ça du monde en fait. Et de l'Afrique. Parce que finalement, on voit l'Afrique comme un endroit paradisiaque. Les génocides, les excisions et le reste. Mais il y a quand même une idée. Elle part au Cameroun, ils vont tourner ce film, il y a de l'autre côté aussi tous ces préjugés. D'être elle blanche en Afrique. En fait, je voulais promener ce couple mixte de Los Angeles à Paris jusqu'au Cameroun parce que ils ne sont pas du tout vus de la même façon à plusieurs endroits comme ça du monde. C'est très très différent d'être un couple mixte. Et alors en Chine, n'en parlons pas, mais là je ne pouvais pas non plus exagérer et faire vraiment le tour du monde. Mais bon, par exemple, ça commence avec cette idée de l'Afrique. L'Afrique, c'est pas un pays, c'est un continent. Le Niger est hyper différent du Mozambique. Le Kenya n'a rien à voir avec même la Tanzanie. Enfin, c'est des pays voisins, mais qui n'ont rien à voir. Donc, et on n'est pas malien comme on est à Bochiman. Enfin, bon, d'ailleurs, même les mots posent question. Par exemple, on ne dit pas pygmée. Les pygmées eux-mêmes ne s'appellent pas des pygmées, ils s'appellent des bakas. Enfin, le monde est infiniment complexe. Et plus on y va, plus on s'approche. Plus la réalité se diffracte comme ça, plus elle devient compliquée et intéressante. Donc je suis allée en Afrique, mais dans de multiples Afriques très différentes. Et avec tout ça, je fais des romans. Je sais pas quoi dire de plus. Je crois que c'est aussi c'est l'histoire d'une femme qui avait juste envie d'aimer un homme. Et un homme qui a un projet, par contre. Ah ouais, mais là, et ça aussi, c'est intéressant. Lui, il est habité par son projet, elle, elle est habitée par lui. Oui. Alors, ils sont... Ça, c'est inconciliable. Mais c'est une femme qui tombe... Enfin, qui... Personne lui a demandé de se mettre à attendre cet homme comme ça. J'ai du mal à généraliser, là, mais en gros, c'est aussi cette histoire que dans l'amour, on est accompagné. On peut...
poursuivre ses propres projets. On peut rester soi-même d'une certaine façon. Dans la passion, on est complètement à côté de soi-même, on abandonne tout ce qu'on est, on abandonne ses projets, on n'est plus qu'à l'autre. Et on se met à attendre l'autre passionnément, au lieu de continuer sa vie en fait. Et je pense que dans l'amour, on est... Là, cet homme-là, il ne lui a jamais demandé de s'abandonner elle-même. Elle devient moins intéressante et moins aimable de se mettre à se vider comme ça, à l'attendre lui. Donc, personne n'est coupable dans le livre, c'est ça aussi. Il y a une espèce de spirale dans laquelle elle tombe, où elle se met à attendre un homme qui ne lui demandait rien, finalement. Donc, et là, noir ou blanc, on s'en fiche. Oui. Sauf que ça vient, en fait, interférer de façon très... J'ai envie de dire subtile, mais moi, j'écris des romans, c'est-à-dire, le roman, c'est un genre qui vous laisse la place de développer des nuances qui ont vraiment besoin des phrases et de la poétique des phrases se déployer, et des phrases où on parfois on referme le livre pour un peu penser quoi. Oui. Enfin j'espère ça, alors que comme ça à l'oral où on est, c'est pour ça qu'on passe notre temps là, tous, moi aussi, à dire des bêtises, parce qu'en fait il faut prendre le temps de penser aux mots, voilà, comme ils disent, et de se taire un peu et de fermer les livres, voilà. Mais bon, donc, c'est très difficile à généraliser. Oui. Ça vous est arrivé de tomber amoureuse d'homme de 21? Oui, ça m'est arrivé. J'aime beaucoup les hommes, et donc parmi eux, il y avait aussi des noirs, il y avait des jaunes, pas des bleus, j'ai jamais aimé les schtroumpfs. Mais oui, il y a eu des noirs, bien sûr. Oui. C'est drôle cette question. C'est autobiographique? Non, c'est pas vraiment autobiographique. Alors, je pense pas, parce qu'il y a trop de choses dans ce livre. Parce que vous évoquez, je vous dis, le problème, la passion, mais aussi. Quand je reviens, cette vision de l'Afrique, parce qu'elle va le rejoindre, je suis d'accord avec vous, elle est moins intéressante quand elle est là, finalement pour lui aussi. La chute est extraordinaire, on s'y attend absolument pas. En même temps, elle est très logique. Et par rapport à je trouve que c'est plus, c'est pas celui-là, mais. Celui-ci, oui, autobiographique, truisme, vous pouvez mettre votre colère et tout ce que vous voulez. Mais là, enfin, c'est pas autobiographique. Tu peux peut-être lire le. Ah, voilà. Pardon. Non, je vous en prie. Une scène très. Oui, je vous avais. Très cliché aussi, hein, qui est celle du coup de foudre. Ah. Et j'avais aussi tout un passage sur l'attente. Elle l'attend. Et rien n'est pire que ces minutes qui passent. Non, mais ça fait rien. Lisez le coup de foudre. Quand être amoureuse et attendre. Le début est comme une entaille, elle ne cesse de revoir le début, net et tranché dans sa vie, alors que ce qui suit semble monter à l'envers, ou coupé, ou dans le désordre. Elle l'a vu, lui et seulement lui, à une soirée chez George. La plupart des invités étaient là, mais elle a pénétré dans un champ magnétique, une sphère d'air plus dense qui les excluait tous. Elle était silencieuse, sa présence la rendait silencieuse et seule. La voix lui manquait, elle n'avait rien à dire. Un champ de force irradié de lui, palpable, éblouissant, le souffle d'une explosion fixe. Elle était traversée par une onde qui la désintégrait. Ses atomes étaient pulvérisés. Elle était suspendue et déjà elle voulait ça, la désintégration. Il était vêtu d'un manteau étrange, long, d'un tissu fin et fluide. Il ne la regardait pas. Il regardait le bas de la ravine, les lumières de Los Angeles. Il portait sa lourde tête sombre comme si cet effort l'occupait tout entier. Comme si de tous les humains présents, il était seul à avoir conscience de ce fardeau qu'est une tête. Dans le contre-jour des lanternes, ses cheveux longs lui creusaient une profonde capuche et sa silhouette longiligne avait quelque chose de monacal. L'intensité du champ de force devenait telle que l'un d'eux, elle, formula quelque chose sur la douceur ou sur ce qu'il buvait, et il y eut comme une respiration. Le brouillard blanchissait la nuit, une poudre d'eau se formait sur eux. Il lui roula une cigarette. Leurs mains ne se sont pas touchées, mais le champ de force s'est resserré si brutalement que la cigarette a flotté et passé entre eux sans qu'ils sachent comment, dans l'espace vibrant et bourdonnant. Il a cherché du feu en pantomime dans le noir, dans les poches sans fond de son manteau. Il n'en avait pas. Si, la flamme a jailli. Elle a brûlé ses cheveux en s'approchant de trop près et elle a ri, à tort, puisque déjà il exigeait d'elle, en silence, le plus grand sérieux. Elle a aspiré une bouffée et elle a fait surface, une dernière fois. Puis elle a plongé au cœur du monde, avec lui, dans le champ de force, dans le brouillard qui engorgeait Laurel Canyon, dans le bonheur total, opaque et blanc, le bonheur qui désintègre. Oui, voilà, un très bon passage. Et après, elle se met à l'attendre.
presque coup de foudre. C'est la catastrophe. Oui, c'est aussi une espèce d'accident de la vie. Oui. C'est aussi un truc terrible. Mais bon. Et matériel. Et au début, je voulais. J'avais. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Mais j'avais cette idée un peu bête, en fait. Je voulais tout écrire sans jamais nommer le fait qu'il est noir. Tout faire comme c'est là. On ne sait pas s'il est noir, blanc, jaune. Et donc les confronter à des situations en bordure de racisme, mais sans jamais nommer le fait qu'il était noir. Et en fait, ça devenait un livre un peu virtuose, un peu exercice de style, alors que je voulais faire quelque chose de très réaliste, de presque naturaliste. Enfin, donc j'ai avancé un peu comme ça, et puis j'ai arrêté, je suis revenue en arrière, et j'ai dit en fait très rapidement, dans une scène très précise, qu'il est noir, voilà. Et quand elle la raconte, quand elle rencontre le concierge, qui est noir lui aussi, et qu'elle se dit, ils sont noirs tous les deux, et qu'elle ne se l'était pas formulée jusque-là. Ouais. Et que ça va avec toute une histoire de classe sociale, et de rapport évidemment historique, dont elle ne veut rien savoir, en fait, elle voulait juste aimer un homme, et cet homme-là, qui est beaucoup plus politique qu'elle, Kouesso, né au Cameroun, cet homme-là ne cesse de lui rappeler, nous n'avons pas la même couleur et ça veut dire quelque chose que tu le veuilles ou non. Et on ne peut pas vivre dans une bulle. Alors qu'elle, elle voudrait vivre dans une bulle d'amour, mais on ne peut pas. C'est sympa. On peut 3 jours. Oui, c'est ça. On va se renfermer à l'hôtel. Marie, si vous voulez, oui. Elisabeth, si vous voulez, on demande s'il y a quelques questions. Oui, voilà. Est-ce que quelqu'un veut demander à Marie ou à Elisabeth? Oui, tout à l'heure, vous parliez, c'était pour l'écrivain, comment c'est le premier livre, le parcours qu'il doit subir ou suivre tous les deux pour sortir dans le marché. Mais on disait toujours dans les écoles d'écriture, de littérature comme ça, que le pire, c'est l'entrée en texte, l'incipit et l'excipit. Comment en sortir? Elle vous en parlait tout à l'heure. Mm-hmm. Et c'est vrai que quand on trouve ça, la chose est à moitié prête, non? Oui, oui. Et alors, le premier parcours, c'est décevant d'acheter ses propres livres, les offrir aux amis, les apporter. Ah, le tout premier, avant mon premier succès, tout ouais. Oui. Mais moi, en fait, j'ai envoyé mon premier manuscrit, j'avais 17 ans. Oui. Et je l'ai envoyé aux deux meilleures maisons d'édition en France à l'époque, qui étaient Gallimard et Minuit, parce que je ne doutais de rien. Et les deux maisons m'ont répondu en me disant que ce n'était pas assez mûr, j'avais 17 ans, hein, mais que c'était intéressant et qu'il fallait que je continue. Et en fait, j'ai encore essayé. Et c'est Étruise, mais mon quatrième roman. Et il se trouve qu'entre-temps, j'avais lu des livres de chez POL et j'ai voulu aller chez eux, en fait. Mais j'ai eu un parcours, en fait, très rapide et très peu... je ne vais pas dire facile, parce que c'est un travail énorme. Mais j'ai eu du succès tout de suite. Enfin, c'est très atypique pour ça. Je n'ai connu aucune de ces difficultés où il faut donner son manuscrit. Enfin, je l'ai connu, oui, entre 17 ans et 26 ans. C'est très court, en fait. Et je me rappelle que je m'étais dit, si à 40 ans, je ne suis pas publiée, je me suicide. Parce que j'étais très... Enfin, j'étais très sûre de... Bon, et heureusement, j'ai été publiée à 26 ans. Mais c'était ma vie. Je ne pouvais pas imaginer de... De ne pas... Non, et pour vous, vous étiez l'invité à Apostrophe. Ah oui, j'ai tout fait. Oui. Apostrophe, Lyon Culture. Oui. Bernard Thibault, c'est bien passé. Oui. Vous avez d'ailleurs dit, j'écris depuis toute gamine. Oui, j'écris beaucoup cette phrase. Vous êtes habité par l'écriture. Oui. Les romans sont là, c'est vous, il faut que ça sorte. Oui. Mais c'est pas non plus un gage de qualité. Hein. Il y a des gens aussi qui sont, qui ne font qu'écrire. Mais bon, ça ne prouve rien. Proust, il s'est mis à écrire vraiment, il avait mon âge. Mais... Bon, et sauf que je suis ce genre-là d'écrivain qui a toujours écrit, et je sais pas. Et une nouvelle génération, parce que entre l'autofiction et l'autobiographique, etc., une nouvelle façon. En tout cas, je fais partie d'une génération qui est sortie vraiment dans les années 90. Au milieu des années 90, en France, il s'est passé quelque chose qu'on commence, je crois, un peu à étudier. Il y a une espèce de génération des 90, je sais pas comment on appelle ça en espagnol, mais tout à coup il y a eu énormément de jeunes voix comme ça. On est maintenant des quadragénaires en gros, beaucoup de femmes, mais pas que des femmes.
il y avait quelque chose qui s'est passé de nouveau, mais je ne sais pas comment le définir. Hein, mais il y avait vraiment un effet de génération. Et Houellebecq, enfin, c'est ma génération, tous ces gens. Oui. C'est Christine Angot, c'est Gaston oui. Despentes. Mais je pense qu'il y a des chemins, quand même, des sentiers qui avaient été un petit peu. Bien sûr, oui, c'est pas. Prépare. Annie Ernaux. Annie Ernaux, elle est formidable. Oui, bien sûr. Et Modiano et bien d'autres gens. Oui. Mais disons qu'on a été d'un coup un groupe. Il y a eu aussi un moment éditorial. Je sais pas, il y avait un grand goût de la littérature, les livres, je sais pas, ça circulait beaucoup, c'était assez gracieux comme moment. Bon, bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.